Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Makito, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tower Fantasy. On va continuer notre progression. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le World Boss de la zone. On va aller le faire, mais par contre, est-ce que tu vas venir avec moi, toi? À deux, c'est faisable normalement. Enfin, celui-ci, du moins. Est-ce qu'on y va maintenant? Bah ouais. Apparemment. Alors j'ai pris celui-ci. J'ai pris le bâton qui soigne. J'aime pas trop quand il me regarde comme ça. Alors je parle pas, hein. Je suis désolé, je me concentre. C'est moi qui crée une orbe comme ça, c'est possible. Donc c'est un bâton de soin, donc plutôt cool. Bon, par contre j'ai plus de chips. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a une possibilité d'avoir un SSR là-dedans. Si vous avez de la chance. Apparemment non. Il est bien comme bâton. Bon, je joue glace, hein. Après il y a des armes je sais qui sont beaucoup plus stylées en foudre, surtout de souvenirs. Je sais que la faux de King est très forte. C'est pour ça que je me suis dit que la glace ça changerait. S'il faut, je changerai plus tard. Bon bah voilà, on a fait le premier boss. Hein. Dans ma première session, parce que je l'avais déjà fait une fois, hein, pour tout vous dire, on l'a fait à deux. Hein. Mais j'étais en monde basique. Là, je suis à 25, j'étais à celui-ci, à 10. Donc je l'ai éclaté, en fait. C'est pour ça que c'est important de monter ça. Hein. Je crois qu'au niveau des récompenses, en fait, c'est même mieux. Là, c'est 5000. Faites attention, par contre, au FC. Hein. N'allez pas monter un truc et après plus pouvoir jouer. Hein. Parce que là, vous allez être dans la merde. Hop. Hop, hop. Je crois
On a fait le tour. Ah bah ça y est, j'ai accès aux chroniques. Chroniques, souvenirs. C'est peut-être pas là-dedans. Là-dedans, est-ce que j'ai avancé? Non, parce qu'il faut que j'avance dans l'histoire en fait. Alors attendez, comment on fait déjà pour changer? C'est L3, je crois. Il n'y a que 5 chapitres. Bon, on a presque terminé le premier chapitre en fait. En fait, ça a changé, c'était pas comme ça sur PC. C'est pour ça que ça me dit rien, ça. Par contre, on a des missions secondaires. Je crois pas les avoir fait. Non, bah non, chapitre non activé, c'est ça? Je pense qu'il faut terminer le chapitre pour pouvoir faire les missions secondaires. Mais c'est pas ça que je cherche en fait, c'est les quêtes quotidiennes et autres. Est-ce qu'on a des... Ouais, il me semble que j'ai pas mal farm. Donc on va se lancer là-dessus, et après on reprend l'histoire direct. SR. Ah bah ça tombait, je l'avais pas su. Je crois que c'est le gros canon celui-là. Ouh. Là, ça devient intéressant. Pilon. Je regardais une vidéo d'un mec, je sais plus comment il s'appelle. Le mec, il a eu full SSR quoi. Je crois que c'était 3 SSR et 2 SR dans la même truc. Il y en a, c'est vraiment des châteux. Ah! Ah oui, lame du tonnerre. Ouais, je vois, c'est équerre. C'est les doubles lames. Ouh, on a eu double SR quand même. Vous allez voir que ça se trouve, je vais avoir. Non. Non, non. C'est pas fini? Je sais pas combien on est rendu là. Sur la pitié. Bon, on a eu Crow. Pourquoi pas? Et en vrai, il me reste plus que 19 à faire et c'est bon. Ici, on peut en faire 3. Plus une simple. Bon après c'est des compos pour augmenter vos armes, donc c'est bien aussi. J'y ai cru. J'ai cru que ça allait passer en jaune. Ah si, il nous en reste une. Alors je préfère les faire par 10. Après, ça change rien de les faire une par une. Mais je préfère les faire par 10, comme ça, on n'en parle plus. Tac. Ici, je crois pas j'en ai plus. Pas dans l'état actuel, en tout cas. Sais pas si je peux pas les acheter avec. Bah, si. Il aurait pu passer en jaune quand même. Franchement.
Bon, on en a eu deux éclatés, mais quand même deux. Toujours ça de gagner. En vrai, tous les 10 là, sur celle-là, vous avez forcément un SR. Minimum. Maximum. Full SSR. tac, on est à combien? 51? J'avais dit que c'était combien? 120? En vrai, on s'y approche. Hein. Ici, c'est combien? 120 aussi? Du coup, je sais pas si je vais augmenter. Je sais pas en vrai. Mon épée là, elle est bien, celle-ci, mais elle fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Je vous montre. Oh, attendez. Du coup. Et moi, c'est un perso comme ça que je voulais faire. Et pourquoi on peut pas faire un comme ça, nous? Ouais, il a trop la classe comme ça. Ah, mais elles sont là, les historiques. C'est niveau 23 que ça commence. D'accord. C'est des quêtes de moitié secondaire que vous pouvez faire. Des histoires de chaque perso. Hein. Quoi, mais qu'est-ce que t'as encore? Oui. Bon, bah, je vous fais une ellipse et puis on se retrouve bah, à l'histoire. On continue. Allez, à tout de suite. Bon. Nodai, 記憶抽出装置の効果は? 現実をもう一度体験しているみたいだ。過去の出来事をこんなにはっきり思い出せるなんて。記憶抽出装置は君の過去の記憶を完全に呼び覚ましてバックアップもできる。少なくともエルリックはそう教えてくれたが、この記憶が完全に真実で間違いないかというには、やっぱり疑問が残るな。フランツさん、ちょっと、めまいがする。おいおい。 大丈夫かい？なんて、冗談だよ。おい、こっちは真剣に確認してるんだぞ。本当に大丈夫なのか？俺は大丈夫だよ。そうだな。俺と君はどこで知り合った？アストラシェルターの遺跡の入り口。それじゃあ、君が正式にハガードに復帰してから今までどのくらい経った？半年くらいかな。最後の質問だ。君の次の任務は何だ？それは本当にまだ誰にも言われてない。おっと、すまん。てっきりエルリックから話は聞いているもんだと。シャーリーのことなんだが、彼女は一刻も早くベラにジークの行方を探しに行きたがっている。だが、 あちらとこちらを結ぶ転送ゲートはまだ不安定だ。それにハガードからは今のところメリルが率いる招待しか派遣していない。何よりシャーリーの立場はやや特殊で、間のことの関係もある。そこで君に彼女の付き添いを頼みたいんだ。もう出発の準備はできたか？ああ、今回は君のために記憶のバックアップも特別に用意した。何しろ君には記憶喪失の経験がある。 転送ゲートによる異空間移動の途中でどんな不測の事態が起きるかもわからない。バックアップは無事に取れた。君の望むタイミングでいつでも過去の記憶を体験できるぞ。だけど残念ながら抹消された記憶はやはり復元できなかった。いや、ありがとう。君の記憶のバックアップは技術部に頼んでしっかり保管させてある。安心してくれ。そうそう、シャーリーが待ってるから 出発する前に話をしてくるといい。 Je suis obligé de faire ça parce que sinon je prends des dégâts. C'est moche. 大丈夫だった? つまり 記憶のバックアップのことだけど。うん。気遣ってくれてありがとう。うん。私のわがままでこんな面倒なことに巻き込んでごめん。その、
もし嫌だったら無理しないでいいから。シャーリー、俺に遠慮はいらないよ。ごめんなさい、そういう意味じゃないの。ただわからなくて、自分は今どんな立場でみんなと付き合えばいいのか。シャーリーなのか、アイダのこの操り人形なのか、それとも。シャーリー、俺たちは友達だ。約束しただろ、一緒にジークを探し出すって。そして二人をシェルターに連れて帰る、そうみんなにも約束したんだ。私たちまだやらなきゃいけないことがたくさんだね。うん、俺たちはこれまでもいろんなことを経験してきた。そしてたくさんの大切なものを置き去りにしてしまった。Elle a changé, la petite Charlie. それを二人で一緒に取り戻そう。うん。あなたと出会えて本当によかった。俺も同じだよ。ありがとう。だいぶ気持ちが楽になったわ。エルリック長官とドクター・クレアのところへ行きましょう。そして、ベラと呼ばれる新しい世界へ。10000 XP? Oh, je suis passé niveau 18. Alors, en passant niveau 20, je pourrais monter mes armes à niveau 40, je crois. Hop! 方向パラメーターの修正は終わった。でもまだ検証が必要ね。それなら。今あるアンカーの安定性は維持できるのか。転送ゲートのベアリングユニットは調整した。オーバーロードさえしなければなんとかいけるはずよ。やあエクセキューター、ベラ地区行きの時空通路が開通した。調査のためすでにエクセキューター小隊を現地に向かわせてある。大厄災前のベラ地区はハガード第7地区の管轄下にあった。2年前にマーク小隊が現地入りし、関係者との連携体制を再構築した。第7地区は我々に協力する意向を示している。君にもシャーリーさんの後継人として一緒にベラ地区に行ってもらいたい。シャーリーはジークの行方を追うのに必死で。ただシャーリーさんはまだ回復途上だ。信頼のおける者に付き添ってもらいたい。皆さんに迷惑をかけて申し訳ないと思ってる。でも兄さんが心配なの。現地からの報告ではベラ地区に廃棄種と呼ばれる生物が侵入し、生態系や人類の安全に大きな脅威を与えているようだ。目下第7地区と廃棄種への対策を進めている。だが情勢が安定するまではくれぐれも慎重に行動すること。ドクター・クレアが転送ゲートのパラメーターを調整して出発の準備を整えてくれた。第7地区の本部はミラポリスと呼ばれる巨大都市にある。現地のオフィサーユリンに協力を求めるといい。長距離の時空転送はかなりハードよ。覚悟を決めていきなさい。Du coup on va aller c'était pas fait comme ça sur PC hein. Ça a vraiment changé.Ce qui est plutôt pas mal, comme ça, ça me fait une nouvelle découverte du jeu en fait. Une nouvelle découverte un an après, quoi. Parce que tout se passait sur la première carte, parce qu'il n'y avait pas d'autres cartes avant. Ah! On m'a dit que c'était un peu plus tard, Pepe-san. Pipi! Qu'est-ce que c'est?めまいとか気持ち悪いとかはありませんか。大丈夫です。ありがとう。私も平気。よかった。長距離の時空転送が辛くないかと思って心配していました。ここは第7地区に所属するシルバーコースト研究センターです。研究センターの皆さんが私たちは今この設備を使って。アーシャ大陸との通信を
この研究センターはイエローデューンズの北側にあります。ほらあそこです。Moi, ce qui me fait peur, c'est que le jeu, il a pas l'air d'être super, super stable. Demain, c'est l'ouverture de... pour tout le monde. C'est un peu ce qui me fait peur. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura tous les joueurs de connectés ? Officer no Yurin sama mo, anata gata no touchaku wo sude ni gozonji yo. Itsu demo suki na toki ni Mirapolis honbu ni mukatte chōdai. Tada...技術者のブルーが研究センター周辺で潜在的な時空の波動を検知したの。その影響は周辺地域全体に及んでいる。念のため一旦ここに留まって時空の波動が落ち着いてから出かけることをお勧めするわ。そうなんですね。長くかかりそうですか？はっきりしたことは言えないけれど、ブルーがデータの観測と分析を進めている。新しい情報が入ったらすぐにお伝えするわ。はあ、どれだけ待つことになるんでしょう。ペペさん、第9地区から派遣されたエクセキューターは何人ですか？2年前から駐留してるマーク招待の他にはメリルさん、ゼロさんでしょ。それにシューマーさんとセミールさんもいますよ。おっと、今はあなたたちも。でも、みんな今はミラポリスで大事な会議に出ているんです。なんて言いましたっけ？廃位機種への対策を話し合うとか？だから、私一人で迎えに来たというわけです。廃位機種か。エルリックさんも前に確か、そんな話をしてたね。Ça pourrait être ma soeur, on a les mêmes yeux. Je cherche plus ton père, je suis là. Mais elle aussi. Elle aussi, c'est notre soeur. Fia, chou-chou, je vais vous demander si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous répondre?今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。おそらく長距離時空転送の余波でしょうね。それからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。ここはオムニアム関連の技術を扱う研究所なの。潜在的なセキュリティリスクがあるから、人口の密集するミラポリス本部から離れたところにある。でも最近廃位機種の侵入が抑えきれなくなってきた。研究センターの安全はもう守りきれない。ユリン様が今センター内の重要設備と人員の本部移転を検討なさっているわ。マーク招待のおかげで数多くの貴重な知識を得ることができた。第9地区のオムニアム研究は我々のずっと先を行っている。今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。それからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。Parce que c'était la mauvaise touche en fait. C'est bon. Fia 所長、異常事態が発生しました。空間の波動が急激に増大しています。ハイパーアブサントが引き起こした地球断層です。まさか。ブルー、今すぐ本部に連絡を、応援を要請して。今はやってるんですが、空間波動によるクラッタ干渉がひどくて、本部とまともに連絡が取れません。引き続き連絡を試みて。セキュリティスタッフに外装設備の封鎖、防御シールドの起動。わかりました。一体何があったんですか？今回の時空波動を引き起こしたのは希少なハイパーアブサントよ。廃位機種の襲撃に備えなければ。でも今は本部とも連絡が取れず、
外部の応援も頼めない。モンスターが退去して襲ってきたらここは壊滅的なダメージを受ける。俺たちも防御を手伝います。ではついてきてください。みーや。システムアラート警戒レベル最高。全ての非戦闘員は安全エリアに退避し警報の解除をお待ちください。見てあそこ、アブさんとの不随個体です。急ぎましょう。Ouais, c'est ça le délire en fait, c'est que je peux me téléporter je crois avec eux. Ouais, je les ai des boîtes. C'est tout ? Bon, c'est quoi cette nouvelle zone là ? Alors, attendez, parce que. Ah, je suis bien à 25. Enfin, je me suis dit, ça trouve, vu qu'on a changé de carte. Comment vous montrer ? En fait, on est passé de Hesperia à Vera. Il nous reste encore le secteur du domaine 9. Mais sur chaque carte, en fait, il y a des zones. Alors, attendez, comment on recule comme ça? Vous voyez, il y a beaucoup de zones ici. Hein. Peut-être pas, remarque. Bah non, il n'y en a que 4, si on regarde en bas. Alors, je sais pas trop comment c'est divisé. Il faudrait activer une tour, en fait. C'est ça, la tour? Ouais. Tunnel de grande mer. Ah, c'est pour aller sous l'eau ici. Ah, c'est trop bien. Toriaise, monster a kekitaishi masta ga, Bruce-san ga, kinjo de fuantei na jikuu no sakeme o ikutsu mo kenchi shita sou desu. Kiki o dashita toyuu ni wa, mada mada desu ne. Mirapolis to no tsushin wa kaifuku shita no? Mada renraku wa tsukanai joutai desu. Honbu ga kochi no jikuu hadou ni kisuite.早く応援をよこしてくれたらいいのですが、研究センターに残ったエネルギーでは防御シールドを長時間起動しっぱなしにはできません。ペペさんは残って研究センターの防御に協力してください。俺とシャーリーは包囲網を突破して本部に助けを呼びに行きます。本当に大丈夫ですか？それしか方法はありません。あそこの全地形対応者なら砂漠を高速で越えられます。気をつけてくださいね。Vésicule tout terrain. Mince, c'était où ? J'étais pas sûr de l'avoir activé.Vésicule tout terrain, ok, mais si je peux pas le prendre. Ah ouais, va falloir débloquer chaque endroit comme ça. Ils sont devenus à moitié fous. Avec le petit soleil couchant ou levant, non, couchant.Attention parce qu'il y a des trous. J'allais dire c'est un peu vide. Ah, il y a double de moi. Devant toi, monster がずっと後をついてきます。シャリー、縦に分かれるぞ。
分かった。ミラポリスでお茶を。Je suis toujours dans le désert. Ils sont cons. Ah, il y a des trucs à récupérer ici. Alors, je coupe à travers tout là, mais... Pour éviter de se spoil sur la zone, je rentre pas dans les sites comme ça. Là. Je peux pas accélérer. Hein. Les Avengers. Avengers, rassemblement. Pardon. Elle est très forte cette arme. Je vais vous montrer en fait au niveau fracture et rechargement, c'est du S. What the fuck? Pourquoi s'énerver comme ça? Ah, trop bien. Je sais pas comment on tire, mais... Comment je suis censé tirer? Bien, mais laisse-moi tirer en fait. Non, c'est quoi? C'est juste un bouclier? Ça m'hier les deux flingues. Les deux flingues. Je suis juste censé me défendre ou... Ça se passe comment là? Je peux pas me battre, je peux rien faire. Elle se soigne en... en effectuant des esquives. Utiliser un bouclier pour renvoyer projectiles. Ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tout. You.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, faut juste que je lui renvoie. Oh, c'est quoi ce gameplay là? En vrai, elle a des armes stylées en plus, Charlie. Bah, y'a Bunny qui est mort. Bah c'est ça ouais. Alors on a tous les persos de base. Ils sont tous là. Sauf elle, c'est pas un perso de base. Elle non plus je crois pas. Ça me dit rien elle. C'était pour ça qu'elle est forte, mon arme là, parce que elle a l'air d'être badass. Kegashite nai? Watashi wa Dai 7 chiku no Rin ya yo. Genkyū center no jōkyō wa? Mirapolis de wa mukō to rennaku ga tsukanai no. Ima no tokoro wa daijoubu. Fia shōchō ga shisetsu no iriguchi wo fūsa shita shi, Pepe-san mo bōgyō ni atatteru. Rin ya, ano Abu-san to wa jikū no sakeme ni nigekonda mitai. 負傷したのね。しばらくは攻撃を仕掛けてこないでしょう。でも研究センター付近にはまだ廃棄種が残っている。メリルさん、研究センターの方はあなたが陣頭指揮を取って、私はこの二人をユリン様のところに案内する。うん。エクセキューターこちらへ。ラビー、しっかりついてきて。Bah voilà le journal. Oh putain. Ah ouais, ils ont tout changé. Termination de chapitre. Ouais, mais je suis en train de me faire botter le cul là. Tu peux me laisser. Je peux pas les toucher tant qu'ils sont dans le sable en fait. Pourquoi il m'attaque pas? Il s'est soigné en fait. J'ai pas halluciné hein. C'est bon, vous foutez la paix un peu là. 25 mètres. Qu'est-ce donc?
Je crois, moi. Je sais pas si c'est son perso, c'est elle qui l'a fait ou quoi. Elle ou lui. Hein. Impossible ici. Ah ouais. Je suis obligé de courir, là. C'est ça que t'es en train de me dire. J'étais en train de regarder un truc en plus, ils sont chiants. Attendez. J'ai un nouveau dans le simulacre. Ah. C'est maintenant que ça se déverrouille ça? Non mais sérieux. Sur PC ça c'était... C'était déverrouillé bah, direct en fait. Ouais, je crois qu'il y a des trucs à faire pour déverrouiller des récompenses et tout. L'avatar par exemple et tout ça. Bon, je sais plus comment on fait d'ailleurs. Point d'éveil. Ils nous ont donné de l'équipement. Alors j'en ai déjà, hein. Vous avez vu que j'ai du jaune. Celui-là, est-ce que je peux le recycler? Ça nous donne des bonus en fait, le stuff. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Carte postale d'Eda. Ok. Ça doit être à utiliser peut-être là-dedans. Je sais pas. Sociaux. Qu'est-ce que c'est chiant. Je suis désolé, j'ai ma manette qui arrête pas de s'éteindre. Hop, paraît que c'est mieux. C'est une? Oui. Ok. On est à 27%, ok. Bah on finira dans le prochain épisode. Après, je sais pas si je continuerai cette série. Ça, selon vous. Peut-être qu'on terminera ce chapitre, faire les deux missions secondaires, et terminer la première zone, à 100% si possible. Ça aussi, c'est important de l'améliorer, hein, parce que vous avez vu que ça augmente l'attaque, la résistance, les PV. Cristal omnifère puissant, il me faut. Et surtout que vous avez une. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Un écho à la fin. Ce qui permet d'améliorer vos armes. Je crois que c'est sur les armes que ça se met. Ou alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. C'est là. Il faut vraiment qu'ils mettent le curseur autre que blanc. Là. On voit que dalle. Je sais pas où je suis rendu alors. Ouh, 5. Peut-être qu'à la fin du premier chapitre, on gagne
Shiro. Le chapitre 7 et 13. Ah oui, non, d'accord. Ils sont verrouillés, nous, pour l'instant. Faire les ruines. Ok. Donc on a des trucs à faire, hein. Wow. J'ai en train de perdre ma voix. Au secours. Du melon. C'est bien qu'il y ait un bestiaire, j'aime bien. Oh, pourquoi je peux pas... Bah si, je peux maintenant. Foutez de moi en fait. Jamais non à un petit coffre. 3, c'était pas ça qu'il nous fallait pour améliorer justement le... ミラポリスの入り口は上空にあるの。廃棄種の脅威に備えてミラポリス保安部が地上の広範囲に防御シールドを設置したの。だから今は地面から町には入れない。今唯一開放されている入り口はミラポリス空港よ。皆さん飛行機へどうぞ。Ok, nouvelle ville. Rinya-san. Kubeeru-san. Yurin-sama wa dochira ni? Officer-dono wa Roshin kuiki de omachi da. Ore ga minasan o soko made annai suru. Soumu fukukan no Kubeeru da. Daikyu chiku no minasan, Mirapolis-u e yō koso. Kubeeru-san. Hajimemashite. Miya, daijoubu?ミアはずっとこんな話し方なの？ミアは言語モジュールの問題で時々変な話し方になるの。私たちはもう慣れっこだけど。皆さんご迷惑おかけします。クベールさん、セシリーの休暇は終わったのかしら？セシリーさん、あと2日休みのはずだが、記録によると今朝の緊急招集で本部に戻り設備の修理に当たっているようだ。そう、私たち運がいいわね。セシリーはミラポリスの技術顧問よ。二人さえよければミアの検査と修理を頼んでみない？彼女がまだ本部にいるといいけれど。急ぎましょう。ではこちらへ。クベールさん、ベラの人たちはサプレッサーをつけなくていいの？ここのオベリスクは大厄災による損傷が激しくてオムニアムを安定供給できない。そこで前任のオフィサーがオムニアム放射線への人体の抵抗力を高める技術を開発した。ここ数年ベラ地区ではオムニアム放射線が消滅しつつある。もう補助装置を使わずに生きていけるんだ。あれがベラオベリスクだ。ミラポリスはあれを中心に建設された。これをリーヤさん、
彼女はベラ中の若者のアイドルだ。先日もたった一人で強大なアブサントを倒したんだ。ほら、あそこが第七地区の本部だ。二人にもユリン様との面会。Il est tout petit. En vrai, j'aime bien son costume. Il y a des coffres ici aussi ? Ah non, il y a des puces noires par contre. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est quoi sa jambe ? Ah d'accord, je croyais que c'était du sang qu'il y avait partout. J'aime bien le côté futuriste qu'ils ont fait. Y a un truc que je vous ai pas montré, je crois. Alors, c'était dans quoi déjà ? Il y a tellement d'icônes que... Dans l'équipe. C'est la guilde en fait, l'équipe. Donc voilà ma guilde, Legacy, française normalement. Attendez, on peut peut-être faire des dons, non? Ça c'est l'amélioration, donc il y a des améliorations à faire pour la guilde, l'améliorer et tout ça, faire des dons. Par contre... faire des dons je veux bien, mais je trouve ça où en fait? Il y a des events à faire en guilde. Là vous avez votre liste. Oh. Je suis en train de voir que en fait ils sont tous déjà niveau 20 et quelques. Bon, en vrai ça se monte vite. Hein. Là moi j'enchaîne, là je suis sur 2 jours, j'ai travaillé entre temps en plus. Ça monte assez vite. Hein. Heureusement qu'ils ont mis à 27 parce que 18, ça aurait été l'horreur. Bon. Je vous l'ai montré vite fait, vous regarderez ça par vous-même. Mais what, mais je t'ai rien demandé en fait. Une petite dernière pour la route. On va se laisser là-dessus, on continuera ça dans le prochain épisode. Oh. Oh, en plus Pepper. Ici on en a que 7. J'avais tout utilisé ? Oui. Tac tac. Donc ici on est bon. Ici bah il y a toujours ce problème là. Faut que je négocie avec eux. Là. Faut que j'envoie un message pour les prévenir. Qu'ils nous réparent ça avant demain si possible. Parce que là c'est plus possible. Moi j'accumule les points, je peux pas récupérer mes ressources. Qui bête une touche en fait, un triangle ou un carré, pour pouvoir récupérer les récompenses ou ouvrir le menu. Parce qu'il y a un menu en fait avec plein de récompenses. Je peux pas vous les montrer d'ailleurs, c'est un peu chiant. Sur 7, bah non, moi je suis à 2 sur 7 en fait. Bobby, eh hey Bobby, tu te gourres, hein, je suis pas à 1 sur 7 là. Et ils ont remis à 0 peut-être les trucs parce que c'est vrai que je suis redescendu à 440 là. C'est moche. Bon, moi j'en ai terminé pas mal, mais. Oui, on a compris que vous voulez que j'achète ça, mais j'ai pas envie pour l'instant. Je l'achèterai, hein, c'est même sûr. Je pense que je prendrai tout. Sauf la provision mensuelle de 30 jours, là je l'ai déjà en fait ça. Donc j'ai pas besoin de le reprendre.
Mais les trois autres trucs, je pense que j'y prendrai. Même ça, bah, je vais voir les prix en fait. C'est ça. Tant qu'on sait pas les prix en fait, c'est un peu. C'est un peu le bordel. Vous voyez que j'ai pas les prix en fait de ça. Parce que sinon, bah, j'achèterais tout ça aussi. Hein. C'est pas un souci. Là, ici, c'est pareil. Il me dit qu'il y a encore un truc, mais je ne sais pas où. Ça doit être là-dedans, hein, mais. Ah si, d'accord. Je pense qu'il faut tout transformer en fait. Je crois que je viens de lancer un truc là. Je vais peut-être pas le lancer tout de suite. Ça. En fait, ça va nous permettre d'avoir des trucs comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Non? En fait, c'est pour ça que j'ai un point rouge. D'accord. C'est que je peux lancer la mission, en fait. Hop, je vais pas rentrer là-dedans. On va s'arrêter là-dessus. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Demain. Je vais vous caler une vidéo par jour. C'est pareil sur mes niveaux là. Ils me mettent que j'ai un truc là. Il m'en manque deux. C'était pas ça. Je vais équiper tout ce que j'ai pas en plus, c'est bien. Il me manque encore la tête et les gants. Ici, qu'est-ce que vous m'avez donné là? Alors, ça, je vais pas gaspiller ça tout de suite. Ah, ça, j'ai pas le choix, c'est aléatoire. Ça, je sais pas trop où est-ce qu'on les utilise, hein, ces deux trucs là. Donc 15. Augmente de façon permanente l'endurance. Bah allez. Ah, c'est une partie de véhicule. Ah d'accord. En fait, il nous manque une partie du tracker là, et on pourra avoir ce véhicule là en fait. Ok. Je sais pas comment je l'ai eu, mais ok. Et j'ai plus le point. Ok, c'est nickel. Bon bah écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous remercie de regarder, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pensez au petit pouce bleu. C'était Maikito, portez-vous bien. Tchuss.